base, moi, la musique était quelque chose qu'on consommait, j'allais dire, puisque maintenant on consomme de façon éhontée. Enfin, on consommait la musique, on écoutait la radio, c'était ça, moi, la musique chez moi. C'était... Ouais, mais j'ai dédié surtout une chanson d'un gars qui a pas tout le temps été OK pour vivre dans cette ville, qui l'a un peu. Qui avait un rapport un petit peu, je la traite comme une bourgeoise d'ailleurs, mais une bourgeoise finalement avec qui je me sens bien, donc c'est un mélange, c'est pas une espèce de d'hymne chauviniste à ma ville, quoi. Je serais né à Biarritz, j'aurais probablement fait une chanson sur Biarritz, sauf que j'ai vécu dans cette ville et j'ai un rapport, amour-haine, enfin un peu ambivalent avec, disons. Mais j'aime la ville où je suis bien dedans. Et, mais qui vous plaît, je vais éviter toutes sortes de chauvinisme. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville? Je suis né, j'ai mes souvenirs, c'est aussi con que ça. J'en connais les rues, j'en connais le... Voilà, c'est l'endroit où je vis depuis 51 ans maintenant, vers bientôt, et j'y suis bien. Il y a plein de gens que j'ai aimés quand j'étais plus jeune, que j'étais pas chanteur et que je rencontre aujourd'hui, des gens comme Jean-Guy Denis par exemple, des gens comme Romain Didier, des gens comme Anne Sylvestre, j'ai l'occasion de chanter avec des gens comme ça, c'est une grande chance. Bah, ça a été pas mal parce que j'avais fait avec l'Orchestre Symphonique des étudiants du Conservatoire de Dijon, on avait fait le Zénith à Dijon. Et sur la bonne idée de mon tourneur, il m'a dit, ben tiens, on les emmène au Grand Rex, et ils sont venus avec, et j'étais vachement content de partager ça avec eux. C'était vachement bien, en plus, il y a voilà, la cerise sur le gâteau, c'était Charles Aznavour, Charles-Élie Couture aussi est passé, il y a des gens, il y a je sais qu'il y a Amanda Lear qui est passé, enfin voilà, il y a eu des... C'était sympa, c'était plutôt une bonne... une bonne reconnaissance, mais mon métier, il est sur les routes toute l'année, il est pas uniquement dans ces pièces montées là, quoi. C'est plutôt sympa, c'est un bel endroit, je suis très très content de l'avoir réussi, c'était un grand moment parce qu'il y avait le symphonique et puis que y a, voilà, c'était unique, que c'était plein, parce que c'est quand même pas négligeable, mais mon métier je le fais tous les jours, voilà, c'est des cerises sur le gâteau, c'est la médaille du travail de temps en temps, voilà, je suis déjà flatté que les gens les écoutent, après je suis honoré que les gens écoutent les chansons. Je tombe des fois sur des gens qui reprennent les chansons sur le net. Le net permet en tout cas ça, de voir qu'il y a des gens qui reprennent les chansons. C'est toujours... C'est ça le vrai passage de l'héritage chanson. Mais il passe par là. Ça c'est important. Après le reste, la gloriole, tout ce qui est autour, c'est pas forcément ce qui est plus intéressant. Ce qui est... Ben, super accueil depuis, la preuve c'est que je suis pas retourné à l'hôtel. Je suis resté depuis que je suis arrivé à midi, je crois, je suis pas retourné à l'hôtel, donc c'est un accueil. Un accueil et une ambiance sympa, on a fait l'apéro tout à l'heure, c'était bien étendu, j'aime bien. Ça, ils savent recevoir, ce sont des gens qui savent recevoir, c'est très agréable. Je pense à ceux qui ne pourront plus répondre, guérir sur les cendres de leur vie d'homme heureux. Se battre au regard, se briser sur des vides, et tomber sur ce bar aux illusions perfides. Aux larmes qui ont salé pas mal de petits doigts. Permis des baisers qui se mouillaient d'espoir. Les amours larmés dans des cocons d'alcool. Qui dans leur camisole n'ont pas pu s'envoler. On a sonné la cloche, c'est le dernier repas. On boit le fond de nos poches pendant qu'il est trop tard. On a sonné le glas, le bistrot va fermer. Le bistrot va fermer pour la dernière fois. Entendu mille fois et mille fois sans cesse. Et j'arrête de fumer, et j'arrête de boire. Et ça fait que j'ai joué au large de ce comptoir. Aux vies qui sont passées, il est leur désespoir.
sont restés pour remplir nos mémoires. Un monde disparu. On a sonné la cloche. C'est la dernière ou pas. On boit le fond de nos poches. Pendant qu'il est trop tard, on a sonné. Là, le bistrot va fermer. Le bistrot va fermer. Ça commence un peu difficile avec la chanson sur l'âge. Ça fout les boules, hein. Non, il y a un qui pied, puis juste après, les bistrots qui ferment, c'est... Quand on a connu ça. Non, forcément, c'est un peu... C'est... En gros, ça va être une soirée où on va se faire chier. C'est... Parce que ça va assez, en plus... J'ai bien l'intention de continuer d'enfoncer le clou. Deux fois et demi, 20 ans. Si c'est la mer à boire, je veux la boire versée dans des chopes d'amour. Je veux tisser de joie le fil du temps qui court pour faire la fête à ma mémoire. Si j'ai le cœur rompu, c'est par goût du partage, des peaux perdues de sel et des lèvres torrents qu'un soleil échassier me pêche dans les temps parmi les carpes. La seule ombre qui pèse est celle qu'on se fait. Être d'un seul lieu, c'est quadriller le vent. J'ai plongé mes racines dans tous les firmaments pour mettre la terre en bouquet. Deux fois et demi, 20 ans. Si c'est la mer à moi, je vais la boire versée dans des chopes d'amour. Je veux tisser de joie le fil du temps qui court pour faire la fête.